c'est fou. Alors, c'est le main. Il y en a qui vont mettre cette petite. C'est la science. C'est-à-dire que moi, toi, lui, tout le monde peut devenir hypnotiseur. Mais dans ma formation, je me suis pas contenté de faire de toi un hypnotiseur classique. Parce que bon, hypnotiseur, bon, tu prends les techniques des hypnotiseurs, bon, ok. Mais non, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin et à répondre aux besoins de beaucoup de gens. Puisque dans cette formation, je t'apprends aussi ce que c'est l'hypnose conversationnelle. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ben en fait, beaucoup de gens me posent la question. Tom, comment on fait pour aborder des gens dans la rue? Comment on fait pour qu'on soit sympathique à leurs yeux? Comment on fait pour se faire des amis, etc., etc. Eh ben l'hypnose, pour devenir hypnotiseur, il y a ce qu'on appelle un langage hypnotique. Ce langage hypnotique, je vais te le donner pour hypnotiser des gens. Et je vais aussi te le donner pour ta vie privée, pour toi, pour que tu puisses apporter des gens qui tu veux, où tu veux, quand tu veux, sans te dire oh mon Dieu, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Voilà. Avec un langage hypnotique, c'est tout de suite plus fun. C'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Sur notre téléphone, qu'il y a plein de gens autour, on les oublie.
aussi des exercices à faire. Eh oui, ah, vous allez pas y échapper. Eh oui, je vous donne des exercices qu'il faudra bien évidemment respecter. Car si tu les respectes, alors ça fera de toi un très très bon hypnotiseur. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps à faire cette formation. Je m'en excuse. J'ai mis pas mal de mois. Mais voilà, je suis toujours... Au fil du temps que je crée cette formation, j'ai continué à parler avec vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Alors, sachez avant tout que les personnes mal intentionnées, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sous hypnose. Donc, les gens chelous, c'est ciao. voilà, ça c'est une application, hein, d'accord. Toutes les choses que vous aimeriez faire à la personne sans son consentement, c'est pas possible. L'hypnose, c'est la partie, c'est le moment de sa vie où la personne est le plus consciente au final. C'est paradoxal. C'est curieux. Mais évidemment, je vous expliquerai tout ça dans mes formations d'hypnose. On m'a aussi posé une question en disant ah, c'est cher quand même. Alors, c'est cher. Oui, non. Je dirais non dans le sens où toutes les formations d'hypnose sont bien plus chères que celle-ci. Moi, toutes les formations que j'ai faites sont été à 400-500 euros. Donc cela, à l'époque, est moins cher. D'autant plus que vous avez un code promo. Et puis surtout, pourquoi je ne vous le donne pas? Tout simplement parce que on peut pas, je ne peux pas donner... je ne peux pas... Comment dire ça? Je ne peux... On joue avec l'inconscient des gens. C'est quelque chose de très thérapeutique, mine de rien, et très fragile. L'inconscient d'une personne est très fragile et très instable. Si tout le monde peut le faire, tout le monde va l'utiliser à n'importe quelle sauce. Et du coup, il n'y aura aucune valeur. Et du coup, ben, non seulement ça va dénigrer le métier d'hypnose, et puis en même temps, j'ose imaginer ce que les gens feraient avec. Qui maîtrise pas.
main les micro-expressions de Polekman, il y en a qui connaissent, pourraient aussi dire « Oh, c'est du fake ». D'autant plus que c'est extrêmement dur de jouer la comédie. Mine de rien, essayez, et vous verrez. C'est simple, prenez une série française. À part Omar Sy, à part la vidéo de Lupin, la série de Lupin sur Netflix, elle est top. Mais sinon, généralement, bon, voilà, c'est très très dur de jouer la comédie. Mais c'est vrai que ça reste impressionnant. Ça veut dire qu'après cette formation, tu seras capable de dormir, de faire dormir quelqu'un. Tu seras capable de faire coller la tête, la main à quelqu'un. Tu seras capable de la paralyser. Tu seras capable de lui faire oublier son prénom. Tu seras capable de lui faire un faux rire quand elle veut. Tu seras capable de faire ce que tu veux. Du moment que ça lui fait du bien et que toi aussi. Je base ma formation sur le respect de l'être humain. C'est-à-dire que plus tu vas passer du bon temps avec la personne aussi, et plus la séance va être magique. Voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai essayé de faire. Alors, il y en a qui vont prendre cette formation pour devenir hypnotiseur. Parce qu'après cette formation, vous pouvez clairement faire du spectacle si vous souhaitez. C'est tout à fait possible. Et puis, il y en a d'autres qui vont prendre cette formation uniquement pour leur vie privée. En fait, voilà, pour mieux parler, comment répondre à son patron, comment aborder des gens dans la rue, etc. etc. L'hypnose conversationnelle de langage est très très utile. Moi, il m'aide beaucoup, beaucoup. Et en plus, je vous apprends à faire aussi de vos faiblesses une force. Par exemple, moi, j'ai un gros défaut. Bon, il y en a qui doivent le savoir. Je parle très vite. Voilà, j'ai tendance à parler très très vite. Et du coup, on m'a tout le temps dit, ouais Tom, c'est nul, tu parles trop vite, ralentis. Toute ma vie, on m'a dit ça. Et au final, ben, ce défaut, j'en ai fait une qualité. Parce qu'en hypnose, il y a une technique qui s'appelle la confusion. Et du coup, ben, forcément, ça s'applique plutôt bien. Et du coup, il y a plein d'hypnotiseurs qui me disent, oh, mais c'est trop bien, mais comment tu fais pour parler aussi vite? Tu procures la confusion vite fait, c'est super. Ben, de base, c'est un défaut. Tout le monde m'a dit que ça a toujours été un défaut. Moi, j'ai transformé en une qualité. C'est pourquoi, dans cette formation, j'apprendrai aussi à que tes défauts deviennent des grosses qualités, ce qui va faire de toi un hypnotiseur différent des autres, donc original, donc unique, donc tu seras le meilleur, d'accord? Et sinon après, pour ceux qui s'intéressent, je vais bientôt ouvrir mon cabinet. Alors avec le Covid, c'est un peu compliqué. En ce moment, tu l'auras compris. Mais bon, j'essaie de faire en sorte que ça dépêche, que ça avance assez rapidement. J'ai hâte de vous voir. Évidemment, les abonnés, je vous ferai un prix, évidemment. Bah oui. C'est un tout petit porte-stylo en fait, tout simplement.
ma chaîne d'hypnose, je vous ferai beaucoup plus d'hypnose sur la thérapie, sur les problèmes, etc. Les choses un peu plus sérieuses. Et sur cette chaîne-là, c'est les choses un peu plus fun, d'accord? Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Dormez bien. Et sachez un truc, vous êtes des personnes uniques. Ne leur mettez jamais un gosse.